Ce choix d'être un politicien, je ne dirais pas que moi je vais analyser sur ça, sur ce cadre-là, mais d'être plutôt un homme politique. C'est-à-dire que, étant jeune, je me suis toujours dit que moi je devrais servir à quelque chose pour mon pays. C'est pour ces raisons-là que dans n'importe quel secteur d'activité ou de vie associative, je me suis mis en exergue pour pouvoir donner le meilleur de moi-même pour aider mes semblables, pour aider mes pairs à aller de l'avant. Maintenant, le choix de faire de la politique n'est pas fortuit. C'est dû par plusieurs raisons. Aujourd'hui, on se rend compte que on a le choix de faire la politique, d'être un politicien actif ou d'être passif et de rester donc sur son salon pour boire du thé et après discuter des réalisations et discuter d'un régime. On s'est dit à un moment donné, pour changer quelque chose, il fallait qu'on soit actif. Donc, et pour être actif, il fallait qu'on opte à faire de la politique. Donc la raison est simple. La politique, pourquoi on a choisi? C'est parce que c'est un engagement citoyen pour changer notre environnement quotidien. On a été enfant, on a grandi, on a été adolescent, on est aujourd'hui jeune, mais on se rend compte que pour changer, il faudrait être dans le système. Et aujourd'hui, la meilleure manière ou bien le seul moyen qui permet d'accéder à ce système-là, c'est d'aider le diriger et de pouvoir apporter des corrections, c'est d'être dedans et c'est de faire de la politique. La politique, l'option politique, c'est une option citoyenne. Nous, nous ne sommes pas dans les politiques politiciennes où on fait rêver la population en les premiers temps, donc ciel et terre. Nous, on est dans le réalisme pur. C'est-à-dire quoi ce réalisme? C'est-à-dire qu'on est avec notre environnement immédiat. On fait des propositions allant dans le sens de changer les conditions de vie de nos parents, les conditions de vie de nos camarades jeunes, les conditions de vie de nos femmes. C'est d'où est née cette volonté d'opter pour faire donc la politique. Oui, après multiples et mûres réflexions, j'ai choisi de militer pour le grand parti, pour diverses raisons. La première, c'est une question d'identification. Je l'ai toujours dit, rappelé. En prenant l'exemple de mon leader, M. Elhadji Malika, que je salue au passage, quand je le vois, je m'identifie à lui. Parce que étant un enfant de la banlieue comme lui, lui qui a fait les mêmes écoles que moi au niveau donc de la banlieue, notamment le lycée Sidinani Mamoulaye, lui qui a évolué, grandi, devenu un self-made man et être quelque chose pour Guédiawaye. Et faire diverses et de nombreuses réalisations pour Guédiawaye, et notamment à gérant pendant plusieurs années donc le Guédiawaye Football Club. Et il a eu à occuper beaucoup de postes de responsabilité au niveau de ce pays-là, notamment au niveau du conseil régional, au niveau donc du ministère des Sports et au niveau du ministère du Commerce du moins. Donc c'est dire que c'est un homme de valeur. C'est un homme de valeur que je m'identifie à lui par rapport à mon leader. Malik Gakou, vu tous les postes de responsabilité qu'il a eu à occuper, personne jusqu'à maintenant n'a pu démontrer qu'il a mal géré. Donc on peut concevoir tacitement que c'est un homme, c'est un patriote, c'est un républicain, c'est un homme qui est armé donc des valeurs comme l'éthique, comme la morale, comme la déontologie et aussi des valeurs de gestion publique et la bonne gouvernance. C'est très simple et je ne dirais pas que c'est une situation normale. Mais il faudrait qu'on sache aussi qu'on est dans le domaine donc de la politique. La politique n'a pas de règles qui sont éditées et qui sont préalablement codifiées dans un livre pour dire tout simplement que voilà le chemin qu'il faut mener. La politique, c'est des combinaisons et la politique aussi, c'est des situations donc d'un moment. Alioune Sall est devenu maire donc de la ville de Guédiawaye en 2014, lors des élections locales, et pour dire que en ce moment, Malik Gakou était encore au niveau donc de l'AFP. Je vais pas pour dire que Malik était au niveau de l'AFP et Alioune Sall était au niveau donc de l'APR. Donc de combinaison par combinaison, Alioune Sall est parvenu à devenir donc le maire de la ville de Guédiawaye. Ce que nous regrettons amèrement, parce que la politique, des fois, comme je vous ai dit tantôt, c'est des combinaisons, pour ne pas dire des combines, qui font de quelqu'un un leader ou qui propulse quelqu'un à des responsabilités qui, théoriquement, ou bien si on analyse bien, ne devraient pas être donc les leurs.
Donc voilà, c'est seulement par des combinaisons du hasard que Aliou Sall est devenu candidat. Mais il y a aucun habitant de Guédiawaye, aucun Guédiawaye de Chouche, comme je le dis souvent, qui croyait que Aliou Sall devait être président. Maintenant, il faut dire que la population, les gens intox, les gens veulent des fois donc mélanger les choses en disant que c'est Malick Gakou qui a renoncé à la ville. Il y a rien de tel. Il y a rien de tel. Malick Gakou n'a jamais renoncé à Guédiawaye. Malick Gakou ne renoncera jamais à Guédiawaye. C'est quelqu'un qui aime Guédiawaye et c'est quelqu'un qui a des ambitions pour Guédiawaye et pour le Sénégal. Bien, oui, je pense qu'il le veut. Je pense qu'il le veut. Donc aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, Malick Gakou aujourd'hui, il a créé un parti qui s'appelle Grand Parti. Et le Grand Parti, c'est un parti national, voire international. Donc Malick Gakou n'a pas de fixation. Son ambition, ce n'est pas d'être maire de Guédiawaye, mais son ambition, c'est d'être président de la République. Naturellement, nous, jeunes du Grand Parti, nous, militants du Grand Parti, on aimerait bien que Malick Gakou puisse un jour diriger donc cette ville de Guédiawaye là pour donc la sortir donc dans cette précarité et dans ce sous-développement que cette ville là est en train de vivre. C'est pas la responsabilité aujourd'hui de dire quel sera le choix parce que le parti même n'a pas encore tranché donc sur cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que pour ces législatives là, ma conviction c'est que l'opposition doit s'unir. L'opposition doit s'unir parce que quoi qu'on dise, on est en face avec un régime. On est en face avec un régime qui fait ne ménage aucun effort, qui ne ménage, ne ménage jamais notre l'argent des contribuables pour verser dans les différents coins les plus reculés du Sénégal des milliards pour que leur coalition puisse être majoritaire. Donc l'opposition aussi doit s'unir. L'opposition doit s'unir, faire bloc et avoir donc une liste unique et nationale pour pouvoir donc déséquilibrer l'Assemblée nationale et apporter les changements qui s'y est pour qu'en 2019 ou bien avant même que ce régime-là, qu'on se sépare de ce régime. Dans mon intime conviction, je pense que Manko Watu Sénégal doit être une coalition viable, une coalition qui pourrait au minimum aller ensemble donc aux législatives. Je le pense bien, pour diverses raisons. Manko Watu Sénégal, quoi qu'on dise, c'est une fédération qui a une force de représentativité du statut de l'opposition. Parce que Manko Watu Sénégal, donc tous les partis, je ne dirais pas tous les partis, mais les grands partis donc de l'opposition sont autour de ce Manko-là. Et les leaders, quand on les prend de façon sectorielle, eux, ils réaffirment de jour en jour leur volonté d'aller ensemble. Maintenant, il faudrait au préalable qu'on discute sur les conditions et les modalités. Il faut aussi que chaque leader puisse savoir ce qu'il veut réellement. Est-ce que pour le grand parti, est-ce que pour le Réunion, est-ce que pour le PDS, aller ensemble au niveau du Manko Watu Sénégal, c'est ce qui est donc le mieux pour leur parti. Je pense que rien ne s'oppose à ce que cela se fasse. Mais si on y va aux législatives en division, je ne pense pas qu'on pourrait avoir énormément de chances pour faire basculer donc le Parlement vers le bien. Je le pense bien et c'est ce que je dis le plus souvent à mes amis qui sont des cadres de l'administration sénégalaise. Je leur dis souvent que on n'a pas le droit, pour dire vrai, on n'a pas le droit d'être des spectateurs. On n'a pas aussi le droit d'être des politiciens de salon ou de rue ou autour du thé. Nous, notre engagement, au-delà de notre posture donc de citoyen, de républicain, au-delà de notre posture de travailleur pour la nation, nous devons nous armer pour occuper notre temps libre à la communauté. Et ce, on doit apporter notre expérience, notre expertise. Aujourd'hui, la classe politique doit se renouveler. La classe politique doit se renouveler. Les jeunes, qu'ils soient des étudiants, qu'ils soient des cadres de l'administration publique ou de l'administration privée, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger, doivent venir et s'intéresser à la chose politique. C'est ce qui va faire que d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans, on aura une nouvelle
façon ou bien une autre manière donc de faire de la politique. Nous, notre credo, c'est qu'on fait, on opte pour la rupture. C'est-à-dire qu'on veut faire la politique autrement. La politique autrement, c'est quoi? Ce n'est pas une politique de violence, ce n'est pas une politique de mensonge, ce n'est pas une politique donc, de deal, mais c'est une politique basée sur la réflexion, une politique basée sur des projets et programmes et sur des propositions concrètes pouvant permettre le Sénégal à se développer. Parce que de 1960, depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en face avec cette même classe politique-là qui ne se renouvelle pas et cette classe politique qui valse entre de pouvoir en pouvoir. Nous, en tant que jeunes, qui pourrons stopper cela et œuvrer, parce que nous, il nous faut aussi qu'on s'affronte. Il faut que l'ensemble des jeunes puissent s'affronter dans le milieu politique, dans le milieu politique, mais l'affrontement doit être pas donc un affrontement physique, mais un affrontement basé sur les idées. Parce que c'est de par la confrontation des idées que va jaillir la lumière, et cette lumière-là qui fera du Sénégal un pays, au fait, développé. On doit avoir une posture claire. La posture claire, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y en a marre de 2012 à 2017. C'est en ce moment qu'ils se sont sentis un peu, ils ont senti donc le besoin de pouvoir sortir. Maintenant, il faudrait qu'ils évitent aussi certaines dérives. Même du point de vue de la communication, Yanamar doit être un mouvement citoyen. Je les soutiens à 100%. Mais ce que je veux leur éviter, c'est que c'est ces collaborations-là ou ce link-là avec les partis politiques. C'est dangereux. Ça dénaturera leur mouvement. On a eu écho de probables actions ou bien qui ont eu avec Yaham Baye qui les a accusés d'avoir donc reçu donc de l'argent de l'opposition. Je pense que c'est cette posture là. Si le mouvement doit être donc un mouvement pérenne, il faut qu'il se détache un peu des hommes politiques. C'est ça seulement qui va faire vivre donc ce mouvement là. Naturellement, le combat de Yanamar aujourd'hui coïncide avec le combat de l'opposition. Donc c'est très normal que si Yanamar en fait, convoque donc une action citoyenne républicaine en dénonçant les dérives du pouvoir, que l'opposition aussi puisse s'associer et montrer son soutien par rapport à ce mouvement. C'est vrai, malheureusement, quand on parle de banlieue, ça rime toujours pour certains avec violence. Je me rappelle, nous, quand on était donc à l'université, c'est récent, quand tu disais j'habite à Guédiawaye ou bien quand tu sortais étant enfant, en fait, aller dans des rencontres donc avec les autres, des autres enfants qui venaient d'autres coins de Dakar, quand tu lui dis Guédiawaye, on lève la tête pour t'encore te regarder, pour dire que toi, tu dois être violent, toi, tu dois être un bandit. Jusqu'à un passé récent, pour venir à Guédiawaye au-delà de 19h, il fallait être un Guédiawaye pour le faire. Quand tu n'étais pas habitant de la banlieue, tu n'osais pas. Mais ça, cette posture-là n'existe plus au niveau de la banlieue. C'est pourquoi je dis souvent que c'est nous, jeunes, qui voulons être des références et des modèles, qui doivent communiquer avec le monde, communiquer avec nos pères et camarades, pour montrer que la banlieue, donc dakaroise, a une autre face. On se rend compte que le chef de l'État a réaffirmé donc cette volonté en Conseil des ministres donc ce mois passé, ou bien il y a quelques mois. Maintenant, toujours est-il qu'il faudrait rappeler que cette consécration-là, cette transformation du moins, ça a été consacrée par une loi de 2011 sous Ablaye Watt, la loi 2011-06 du 30 mars 2011, portant transformation des permis d'occuper et autres titres similaires donc en titres fonciers. Et c'était donc des zones bien déterminées de Dakar donc qui étaient ciblées. Donc je pense que dans son principe, c'est une très bonne chose et on encourage le chef de l'État à aller jusqu'au bout pour que ce rêve de l'ensemble des occupants qui ont ces titres similaires-là puisse se réaliser parce qu'ils en ont besoin.